Donc aujourd'hui, cette mobilisation consiste à s'opposer à la loi que veut imposer le gouvernement de casse des services publics, à savoir un recrutement de précaires, la fin des concours, plus de garanties pour les personnels. Et on voit bien que c'est une loi de casse sociale avec des maisons de services publics où il n'y aurait que des gens non formés avec seulement un ordinateur. Donc on demande donc pour la Corse qu'il y ait un moratoire sur les suppressions d'emplois, une négociation de ce que souhaitaient les Corses et leurs élus pour la fonction publique. On veut une sorte de PEI, plan d'exceptionnel investissement pour la fonction publique, parce qu'on voit aujourd'hui, y compris avec la montée de la violence et la mainmise de la mafia, que les services publics en Corse sont essentiels pour le bien vivre et pour la démocratie. Donc aujourd'hui, vraiment, cette mobilisation est importante dans le pays, dans notre région, car les emplois sous statut qualifiés, c'est vraiment le patrimoine de la Corse. Le patrimoine de la Corse, ce ne sont pas les transats pour milliardaires, c'est vraiment ces services publics, ces personnels, ces agents au service de la population pour le développement économique de la Corse. Mais en 89, quand on a commencé, on n'était que quelques centaines, pas plus qu'aujourd'hui, et le mouvement a pris de l'ampleur. Donc on voit bien aujourd'hui qu'il y a un besoin de rassemblement. Cette unité syndicale est un bon point de départ. Maintenant, il va falloir construire ce mouvement, y compris au plan national, avec la loi qui va être discutée à partir d'aujourd'hui au Parlement. En Corse aussi, on voit bien que, eh bien, il y a des négociations qui vont s'ouvrir avec la collectivité de Corse et les préfets, justement, pour qu'on mette au cœur du sujet les vrais problèmes des Corses, que sont bien sûr l'accès aux services publics, la lutte contre la vie chère et des emplois qualifiés, et mettre fin à cette précarité qui touche trop de Corses aujourd'hui.